Je trouve l'idée de donner une connotation et une identité culturelle régionale à des fictions et notamment à des policiers, d'abord une très belle démarche. C'est dans la tendance de la littérature depuis quelques années. Et moi-même étant niçois d'adoption, bien évidemment, lorsque je lis Bernard de Loupy, j'apprends énormément de choses sur l'histoire de cette ville qui m'a adopté, sur son passé qui a quand même été très très agité, avec un destin qui est venu de très loin, passé par le Piémont, pour enfin devenir dans les années 1860 la France. Et on remonte aussi dans l'histoire, et ça c'est le deuxième charme de votre œuvre.